Donc, c'est les parents et les amis et la famille, et les collègues, les camarades. الحقيقة المكان ما كانش ساعة أكتر من 80 فرد فما أعلناش كتير وأنا أولا بدعوكم للدعم ولو عجبتكم المسرحية تيجوا مرة كمان يوم السبت اللي جاي العرض بتاع البريك في مكتبة اسكندرية فإحنا هناخد طاقة بيكم وهنستناكم يوم السبت طبعا كلكم عارفين انه الموضوع يخص مسرحيه بتنتج خلال سنه يساجي دون كياس دو تياتر كل اون برودوي تو لي زون سيليكتو فيرسو اون تروب دو تياتر بو جون ريكتو فيرسو هي فرقه مسرح للشباب انديبوندونت مستقله موجوده من 2002 كي لا كي ترافاي سو تيير ديبي 2002 اي كي برودوي اون بياس دو تياتر بار ان qui produit comment, c'est pas une pièce qu'on joue du répertoire, mais c'est une pièce composée, qu'on écrit, parce qu'il y a atelier, depuis atelier de voix et de gestuelle et d'intonation et d'improvisation jusqu'à écriture et mise en scène. Le faire بتعتمد على مسرح وتمارين مسرح من أول تمارين الصوت مرورا بلغه الجسد والارتجال ووصولا للكتابه وكمان للاخراج. يعني اللي حضراتكم هتشوفوه دي مسرحيه انتجت المفروض كل سنه من شهر 9 السنه دي علشان اسباب كوفيد من شهر 12. فالعمل اتضغط اقل شهرين فحقيقي علشان نشارك في الفستيفال اللي بنشارك فيه كل سنه ده كان حقيقي جهد عملاق من البنات عشان نقدر نعرض امبارح النهارده. دونك جو ديزي نورمالمون ترافاي اون كومونس ا ترافاي ا بارتير دو سبتمبر جوسكو موا دو مارس بور بارتيسيبي او فيستيفال ايجيبسيان سكولير دو تياتر انترناسيونال فرانكوفون كي سو ديول اكتويلمون اون دوزيام اديسيون ان لين. Et le travail a été intensifié parce que ça a commencé au mois de décembre au lieu de septembre à cause des conditions de Covid de l'année dernière et des représentations qui ont été annulées ou reportées. Bon, je vais vous parler de plus de ça, c'est pour que vous vous découvriez. Et vous allez voir, après la mosrahia, je vais vous écouter vos avis. Parce que les filles, elles vont sûrement écouter vos avis. La mosrahia s'appelle « Yalla Bahr ». Nous ne parlons pas de quel bahr, nous parlons de البحر المتوسط فيلا البحر المتوسط يلا ايه خلينا نشوف لا بيس انتيتول ميديترانو ميديتيراني ميديترانو avec O N S et méditerranée avec E Z donc la jeu de mots on a transformé la méditerranée E accent aigu E muet en verbe et on l'a conjugué à l'impératif pour nous pour vous on va voir pourquoi tout de suite et que les filles se cachent très bien derrière les rideaux de police. Voilà, donc elles sont vivantes encore derrière. Elles ont besoin de vos applaudissements et encouragements très forts. Le 26 mars 2021, un jour historique, le départ de Méditerranée Méditerranée du port d'Alexandrie. La vie à bord comme si vous y étiez.
Pour être sûrs de ne pas rater l'embarquement, les vacanciers sont arrivés la veille. Ils ont tous réservé depuis un an. La Méditerranée, ce n'est pas vraiment mon rêve, mais ça va. Des Anglais. Professeur Maya Haddad et son voyage sur les pas de Flaubert, un groupe de Libanais accros de la littérature. 2021, c'est le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Sympa ce jeu de mots. L'armateur a transformé le nom propre Méditerranée en verbe et l'a conjugué à l'impératif. Méditerranon, Méditerranée. Et ça permet de nourrir le bateau pour combien de temps? 5 settimanes. 5 semaines. Pendant 5 semaines sans arrêt, des Espagnols, des Italiens, des Grecs et des Tunisiens se côtoient, cohabitent sur Méditerranon, Méditerranée. Est écologiste français, dans le sens scientifique du mot spécialiste de l'écologie, dans le sens courant du mot partisan de la défense de la nature, de la qualité de l'environnement. Il est à bord pour une étude sur le terrain de la souffrance de la Méditerranée. Si ma thèse comprend 490 pages, il y aura 90 pages consacrées à ces imbéciles qui viennent avec leur canne à pêche. Ils ne sont pas à la hauteur de la descendance d'Ibn Khaldoun, précurseur tunisien de la sociologie, auteur du livre et des exemples au XIe siècle. Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mabda' wa al-Khabar fi ayyam al-Arab wa al-Adab wa al-Bab. Medina, chercheuse tunisienne en sociologie. Pour finir sa thèse sur les habitudes communes, elle a dû s'éloigner de son mari et venir avec sa fille qu'elle a nommée Fena. Pour phénomène, elle est venue chercher du calme en Méditerranée. La mythologie grecque, la civilisation grecque, la salade grecque, les dieux grecs. Il n'y a pas un seul grec sur ce paquebot. Taxidis, ce qui veut dire voyage en grec, est un agent de voyage grec pour l'agence Callo, ce qui fait ensemble Callo-Taxidis, c'est-à-dire bon voyage. Il est invité par l'armateur pour l'inclure dans les programmes touristiques autour de la Méditerranée. Maya, une âme volatile de la littérature française, esprit passionné, elle a fondé l'université pour tous à Beyrouth, pour tout âge intéressé par les écrivains de l'Hexagone. Ici, son voyage baptisé sur les pas de Flaubert en Méditerranée, pour célébrer le bicentenaire de sa naissance avec l'Institut français d'Égypte. Mais chinois à Barcelone, on a des croisières spéciales, on a des miels. Luna, voilà, on va mettre la chauffe à l'air. Voilà. Oui, c'est quoi ce mélange? Esto y acto. Alicia et Diego, jeune couple, just married, et un voyage de noces offert par les familles en Méditerranée. Mais regardez-les un peu. Se prendre pour le nombril du monde. Jamais personne ne s'est marié avant eux.
Selma et Dunal, après avoir bien épuisé les cancans en Turquie, elles viennent montrer leur talent de mégère en pleine Méditerranée. Choqué! Aucun gentleman avec un smoking? C'est quoi ce vendeur de poissons? Révérend, what a shame! Qu'est-ce qu'il est beau! William et Hale, deux Anglais bourgeois qui voulaient « to think outside of the box » par cette croisière, mais trop choquant pour eux ce qui se passe dans ce coin de la Méditerranée. Voilà, dame, on passe les frontières et au premier arrêt pour fendre cette éclipse soleil. Voilà, vous n'avez pas la moche de donner à votre démon. Deux Alexandrins et leur rêve d'évasion, oui. Immigration illégale à travers la Méditerranée. Trop élégant, où vont ces gens-là? Trop idéal! Mais c'est fou! Aucune ressemblance! Tu ressembles à personne! Ces voyageurs superficiels! La différence est là, on va me torturer! Quel monde on sépare? On est trop différents! Selon mon expérience, ils ne sont pas si différents que ça malgré les apparences. Ils ont tout ça en commun. Je ne vois pas pourquoi je me substitue à l'héroïne principale, la Méditerranée elle-même. Elles ont toutes cette eau, ils ont tous ce sable en commun. Il a oublié le poisson et le bruit de mer. Et si Jenan et Lyon du Liban nous semblaient chargés d'animation à bord, chers croisiéristes, pendant notre voyage, vous avez des activités en permanence 24 heures. Ya hala wasimna lugal lenu hada dish mdada. Profitez des équipements du paquebot. Il y a tout un club de vacances, jacuzzi, oulala, piscine, simulateur de surf, tyrolienne, mur d'escalade, salle de sport et courte d'eau. Et la cuisine. Et la cuisine, c'est avec moi. Avec nous. Chef Ricito d'Italie et son assistant, c'est appétit. Chaque jour de nouvelles recettes. Différentes recettes, très différentes recettes. Et très différentes recettes, d'où bien recetto. Comme nous passons par les livres libanaises, notre dîner sera libano. Préparons ensemble la fatouche, la salade la plus connue. Persil. Comme je disais, persil, I will dolly. Tomate, concombre, oignon, citron. Sel, poivre, menthe et ton fromage feta. Et fromage feta. Vous dites persil, ail, huile d'olive, tomate, pompon, oignon, citron, poivre, sel, de la menthe et du fromage feta. Mais c'est de l'appropriation culturelle. Ce n'est que la salade grecque. Et pour vous distinguer, vous ajoutez le pain à l'intérieur et de la menthe à la place du thym. Et vous appelez ça fatouchaki? J'espère qu'il s'est lavé les mains avant de faire le fatouchaki. Et de la cuisine à la danse! Fais du bruit! Le Liban s'étend sur une superficie d'environ 10 452 km par heure. Kilomètres carrés, imbécile? Kilomètres carrés. Il comprend 6 856 millions d'habitants. Il est connu par... Quelle joie de synthèse devant cet art de vivre, de survivre, de danser, de manger et de s'amuser! Les Libanais! Les descendants des Phéniciens qui ont donné naissance à une brillante civilisation à partir de 1200 avant Jésus-Christ. Sire, mais le surnom Snéfrou, le père Khéops, baptiseur de la Grande Pyramide, un historien égyptien, il ne cesse de rechercher, de raconter, bref, la passion de la transmission du savoir historique. Dans son libanais. À la doquée. Señorita. لازم يدري هالأحدث أي فور.
Ces Libanais, ils sont incroyables. Oups. Et voilà qu'un public aussi disparate qu'une grand-mère septuagénaire, deux jeunes de 16 ans et une danseuse de ballet se retrouvent sur cette croisière avec Maya. Allez les amis, un peu de littérature ne fera pas de mal. Que savez-vous de ce jeune Gustave qui a quitté sa Normandie profonde et qui est parti en voyage? Il est parti, madame, avec son ami Maxime Ducamp. Et il a aimé la ligne à Marseille. Il a fait quatre grands voyages en Méditerranée. Il est allé à Carthage. Il est allé à Carthage. Pardon? Carthage? Hey, je suis Carthage, dit. Il est allé à le métro, il est allé à Andrei. Carthage, mon cher, c'est Carthage. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'était à Megara, dans le faubourg de Carthage, dans le jardin d'Amilcar. Et le plus beau des romans de Flaubert s'intitule... Carambo! Les amis, retenez que Flaubert s'est rendu à Carthage et que ce lieu est devenu symbole même d'une écriture d'une civilisation rêvée et recréée. Je viens de trouver un passage que j'aime beaucoup. Allez, sans dégaler. Je porte l'amour de l'Antiquité dans mes entrailles. Je suis... touché jusqu'au plus fond de mon être. Quand je songe aux caravans qui fondaient le bac, immobile et internel en silence, de cette mère, toujours jeune. Aïe, il est incroyable cet écrivain, n'est-ce pas? Il y a quand même un aspect de la Méditerranée qui a fortement influencé l'œuvre de Flaubert. Moi, je dirais plutôt la plurisensorialité. C'est quoi ce mot barbare, madame? Écoutez un peu Flaubert et vous comprendrez. On y marche à l'aise, on respire content, la peau se dilate et hume le soleil comme un grand bain de mer. Écoutez, je viens de taper sur Google Méditerranée et Flaubert et je tombe sur ce parfait exemple de sa communion avec la mer. La mer a un parfum plus suave que le rose. Nous l'aimions avec délice, nous aspirions en nous le soleil, la brise marine, la vue de l'horizon, l'odeur des myrtes, car il est des jours heureux où l'âme aussi est ouverte au soleil. À la fin de cette croisière, je dirai comme lui, comme je me suis sentie prise d'amour pour cette mère antique dont je vais tant rêver. Et ce n'est pas fini. Entre 1850 et 1851, il était où Flaubert? En Grèce. Et il a écrit des lettres qui ont plus tard été intitulées Flaubert en Grèce. À travers le périple méditerranéen de Flaubert et son voyage en Grèce, il illustre une évasion. Une évasion dans la partie suprême de la beauté. Flaubert a excellé solidement les silhouettes. C'est par exemple des deux musiciennes grecques en Milan. Je les entends! Vous les entendez? À la longe tous! Πάμε να χορέψουμε ζόρβα!
différentes recettes. Très différentes recettes. Et très différentes recettes. Comme nous passons par les rives grecques, notre dîner sera grec. Préparons ensemble la scordalia. Bravo, vrai ricetto. Et avec la prononciation grecque, scordalia. Scordalia, différentes recettes. Persil. Yann, persil, Derek. Aïe, huile d'olive. Comme c'est différent, de quelle différence parlez-vous? La recette libanaise a commencé avec persil, aïe, huile d'olive. La grecque ici commence par persil, aïe, huile d'olive. Madame, laissez-le finir, nous avons faim. Pommes de terre, vinaigre, sel, poivre et poivre rouge. Poivre quand est-ce que nous allons manger comme il faut? Au lieu du bon fish and chips ou de la tourtière avec, comme dessert, du pudding. Messieurs, s'il vous plaît, essayez de vivre l'aventure exotique. Bon appétit, chers partenaires de la croisière. Et pour des repas COVID-free, vos couverts sont jetables en plastique et dans des sacs en plastique bien fermés. Catastrophe! Trop de plastique! On en a trop! C'est criminel! Vous pourrez vous tuer, madame! Qu'est-ce qu'il a? La scordalia ne lui a pas plu, hein? 344 espèces en Méditerranée ont été retrouvées piégées dans des options plastiques. Les oiseaux, les poissons, les invertébrés, les mammifères marins, les tortues marines, ils meurent. Vous avez l'air cultivé, vous êtes d'un calibre remarquable. Appuyez-moi avec tous ensemble. L'histoire, tout est dans l'histoire. Le passé raconte tout. Qui a inventé le plastique? Dans quel pays? Pour quelle raison? Allez à la recherche! De quelle recherche vous parlez? De quel passé? Je parlais du futur, de l'avenir. Nous allons mourir! Nous allons tous mourir! Choupi! Rahizza la mefiha! Trop dramatique pour l'ambiance! Messieurs, vous avez tous les deux tout à fait raison. C'est pour ça que dans le programme de la croisière, il y a sensibilisation de jeunes à travers une série de concours informatifs. Vous voulez peut-être nous rejoindre après le dîner pour enrichir notre concours de savoir et connaissances? Et les jeunes? Préparez-vous! Juste après le dîner, le concours info et qui gagne des millions, qui gagne des bonbons, qui gagne des poissons, des oignons, des relations, des informations, des solutions. Préparez-vous pour le concours et qui gagne les avec monsieur la vigie. Elle est pas.
masse monumentale au bout et au grand raffinement de plus belles créations esthétiques du passé. Vaste dépôt de plus ingénieuses inventions de culture, voire de civilisations désormais effondrées sous leur propre poids prestigieux. L'Égypte, la Grèce, l'Empire romain, Byzance, l'Andalousie, l'Empire turc, Venise et les grands empires occidentaux, français et espagnols. La Grèce n'est pas un bar. La Grèce, c'est la Grèce antique, c'est la civilisation de langue et culture grecque durant l'Antiquité. On entend par la Grèce antique l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Athènes du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire la tragédie, Platon, Aristote, Iliade et l'Odyssée, les plus anciennes œuvres littéraires de l'histoire occidentale. La culture grecque s'est étendue dans de nombreuses autres régions. Communication des peuples de la région.
il n'existe aucun autre bassin identique dans le monde. Son patelas le méditerranéen. Tout libérin, quel que soit le pays ou le continent. Je vois le langage du corps de la politesse qui se parle. Tout de gestes, mouvement de bras et de mains en cours de conversation. Cette gestuelle très affirmée. Les mains qu'on secoue, les doigts qu'on regroupe avant de les rapprocher du visage, ou que l'on se tape contre la tempe, ne sont que la manifestation d'esprit pour occuper avec leur corps le plus de volume possible contre l'espace qui est disposé pour vivre et qui se minimise. Ils donnent trop d'importance à l'ère Méditerranée. Elle est trop petite par rapport à notre océan Atlantique. Une Méditerranée qui a enfanté une unité dans son bassin, malgré les trois continents qui s'y rejoignent et les 30 souverainetés qui cohabitent. Il en faut un mythe, Borné. La Méditerranée est un symbole de créativité, de quête, du sens de vie et de la sagesse, ainsi que de l'amour des gens et de la nature. Je suis réceptive, et c'est réciproque. Pour les Anglais, tous les objets sont « it », sans distinction de genre féminin ou masculin, sauf le paquebot. Ship. Ship est un ship féminin, parce que le navire est comme la femme pour le capitaine pendant son voyage. Il l'aime et noue un rapport personnel avec elle. Aussi, le navire est comme la femme imprévisible. Pour moi, merci la langue française. Mère est féminin. Elle est ma compagnon. Moi l'amoureuse. Moi la mère. M-E-R. Et M-E à
Accent grave, R.E. Moi qui ai connu tant de guerres, moi qui ai englouti tant de marins et de pêcheurs, moi qui recèle encore tant de trésors dans mes entrailles, moi qui redéfinis la géopolitique avec un peu de gaz. Mais on te sous-estime, on ne voit que tes plages. Je salue tous les bronzés, je salue toutes les cannes à pêche, je salue même les blocs de béton qui bloquent la vue en bloquant mon immensité. Je salue ces poissons gavés de plastique. Je sais qu'avec ça, t'es triste. Je pleure ces immigrés clandestins. Je pleure ces civilisations disparues. Je pleure ces humains qui s'entretuent. Mais ta couleur et ta mouvement disent qu'il y a de l'espoir. Oui. 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 En voyant les Égyptiens pharaonisés, les Athéniens lutter, les Romains salvinisés, les Ottomans loukoumisés, les têtes se turquisées, je me dis, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Un jour sur les bords de ma rive, dans cette ville que je préfère, cette Alexandrie d'Alexandre, cette Alexandrie des Alexandrins, les vrais, tout le béton disparaîtra. Et je verrai revenir mon sable doré, et je tendrai les bras aux baigneurs, et je reverrai les parasols colorés, et les enfants seront heureux. Et ma vie sera la tienne, méditerranéenne. Dans son absence, merci à Rosette pour tout ce qui est pharaonique. C'était emprunté à Jean-Pierre. Voilà les remerciements que je dois tout à fait au début. Et puis, je vous laisse la parole. Donc, ainsi, parole au public et après, on vous écoute. Comme ça, vous soufflez, vous respirez. حد يحب لا ما انا لو جيت هنا استاذ علي هخبي عليهم ما هم خلي بالك نجوم انا جمع. فانا عايزه اسيب المايك اللي يحب يقول اي تعليق اي سؤال اي استفسار يا ريت كده اشو نسمع كل اللي انتوا عايزين تقولوا لنا Bon, je voudrais dire à Mona que j'ai vraiment raté le début hier et je m'en excuse. Oui, parce que je suis une fan de cette troupe et vous allez m'excuser les non-francophones, j'ai pas envie de parler arabe aujourd'hui. Donc j'ai vraiment raté
le début hier, je pensais, bon, 5 minutes, c'est pas très grave. Non, j'ai beaucoup raté. Donc, chers francophones dans la salle, je vais me prendre au sérieux pour la première fois dans cette salle de spectacle où je ne me suis jamais pris au sérieux pendant plus de 25 ans. Pour dire, je ne suis pas en état d'improviser, donc j'ai pris des notes pendant la, pendant la pièce. Si je me prends au sérieux, c'est la sponsor de Festif qui fait le commentaire professionnel. Bon, un doctorat S-lettres, ça vous servira au passage. Il y a un moment où, comme on a dit, il n'y avait pas assez de temps. En voyant un essai du film vidéo du début, je lui ai dit, tu n'as plus besoin de faire de pièces, ça suffit, le film suffit. Voilà, donc vraiment le film au début très réussi. Les voix de Nazli et de Nour, j'en suis tombée amoureuse. Bon, ça je fais un petit clin d'œil et je ne vais pas dire à qui je le fais, mais apparemment Recto Verso, depuis que c'est devenu une troupe indépendante, vous avez plein de sous. Vous avez acheté un yacht, vous partez à l'aventure, vous dansez sur le yacht. Bon, moi je m'attendais à être invité quand même. Les danseuses en tout genre, celles qui ont fait les danses, celles qui ont monté tout ça. Moi, je disais que Recto Verso était une troupe semi-professionnelle. Bon, pas théâtre scolaire, amateur, tout ça. Mais je tiens à vous dire, en ce 27 mars, que vos danses sont très professionnelles. C'est une réussite totale. Les costumes, les mouvements, vos cheveux, vos... Madame, les costumes. Non, franchement. Les costumes. Et puis ne vous laissez pas dire que les robes étaient trop courtes. Ils ont qu'à y rendre le bassin, ça va. Voilà, j'arrive à la fin, vous inquiétez pas, ça va être encore plus long que la pièce. Voilà, l'élégance des détails du décor, vraiment, tout, avec une discrétion, avec une élégance, vraiment, vraiment magnifique. Bon, le reste des détails, histoire de ne pas prendre 2 heures, sera dans l'article que je vous promets à toutes. Yalla bah. Yalla bah. Et déclaration aux autorités françaises. Franchement, j'attends le grand hall de l'Alexandrina parce que c'est une scène digne de Recto Verso. Merci Nancy, oui, pas tout. Alors moi je vais m'adresser aux filles. Moi j'étais là hier. Non, mais je veux dire, je vais pas parler à Mona parce que... Voilà, hein, ça va. Alors moi je vous ai vu hier et je vous ai vu aujourd'hui. Et aujourd'hui la scène est beaucoup plus petite. Et vous savez quoi? Moi à un moment donné j'essayais de filmer et à un moment donné mon téléphone est tombé de mes mains. Parce que je vous regardais et que j'étais avec vous sur le bateau. Et ça c'est une réussite. Vous m'avez fait oublier que vous étiez en train de jouer. Je suis rentrée avec vous et je vous remercie pour ça. Encore une fois, je voulais dire, je vous le redis aujourd'hui, bravo pour le niveau de français. À tous, bravo. Parce que vous avez vraiment assuré. Mais surtout, merci pour le spectacle, parce que c'était un vrai spectacle. On est tous rentrés dedans avec vous, je crois.
سؤال إجابة أوي. تعالى 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 نفسي أبقى معاكم إن شاء الله أطلع معاكم. أنا أختي علي عمري هنا. المسرحية اللي جاية كي كي حد تاني كي أمري ممكن تير كالكو شوز كيستيون. طيب انا كنت مستنيه هي نادين عايزه تتكلم، معلش اسمحوا لي اقول لكم مين نادين. نادين طبعا تلمستي مدرسه ودلف و و و، انما نادين ما كانش معايا في التياتر من وهي في السيزيام بريمير لحد دوزيام سكوندير. هي دلوقتي اتخرجت من هندسه وبتشتغل بقالها 3 سنين في الحياه العمليه. انما كانت احلى حاجه حصلت لي انه واحنا بنجهز المسرحيه بعد ما خلاص يعني فاضل هنصور بقى على اليخت وده، لقيت تليفون من مامة نادين وهي بتقولي انه حفيدتها يعني بنت اخت نادين نادين خالتها عايزه تدخل التياتر. احنا كنا خلاص خلصنا كتابه وفي اخر حته فانا قلت اكيد اي حد هيعوز يدخل هيدخل، بس لو هنا دي خالتها تبقى نادين فهي دخلت خلاص. ف دونك نادين مثلت 6 مسرحيات معانا تقريبا، والحقيقه ذكريات جميله جميله جميله. وانا كنت واقفه في الركن وشايفه نادين وردود افعالها على اجزاء من المسرحيه ومستنيه اسمع qu'est-ce que tu vas dire avec tout ce que tu avais comme souvenir quand tu étais à leur place et maintenant que tu vois de loin non seulement mais ta nièce. OK, Hana fin bas عشان الانجليز مش عارفه حاجه. انا هتكلم بالعربي يعني كلنا نفهم. انا كنت مكانكم 6 سنين ورا بعض وعارفه ايه اللي بيحصل في الكوليس وكل الحاجات دي واللخبطه، بس هو نفس السبيريت اللي عندكم ده كان عندنا وانا صغيره في سيزيام بريمير، نفس كل حاجه بجد ما اتغيرش. انا حتى الموضوع بيزيد يعني الدانسز احلى بكتير، في تقدم. انتوا بتهزروا اصلا على يعني على المسرح كلكم واخدين راحتكم بزياده، الفرنسي بتاعكم حلو جدا، كيرلي هير شابو تحفه. في بقى بجد 2 اللي هما الزعامه والمر. لا بجد انتوا فكرتوني فيه، احنا فياس كان في 2 بالظبط فانا قاعده بجد هو اتس فلاش باك، ام جست يعني ريمبرينج ايفري ثينج ذات هابند يعني 8 years ago مثلا. فبجد شابو تحفه وكيب اون. هاجي هاجي لا لسه ضيوف برضه ايه مين يحب يقول يسال يقول يعبر. بس هو مدام نادين نازلي ونادين اتكلموا على الرقصات، معلش انا ضروري اقول ان الرقصات كلها اختيار الاغاني الخطوات، الخطوات دي اتحفظت من فيديوهات على اليوتيوب واتخذت احنا ما جبناش حد من بره، الناس بتوع التروب من جوه هم اللي اخذوا الكوريجرافي من على اليوتيوب عشان نبقى بنعمل زربه بجد وبنعمل الدك بجد وبنعمل الاسكندراني بجد، واللي اخذوا المسؤوليه من غير ما اطلب منهم. انا لقيت ديجا رينات ومارفي وحنين وبعدين انا ما يعني كان بيزحموني انا عايزه اجرب البنات للتياتر وهم يقولوا لي لا احنا هنجرب الدانس، انا اقول لهم ده ميعاد التياتر يقولوا لي طب انا مخلص الدانس.
فبجد بجد برافو باسكو احنا زي بيقولوا اكتفاء ذاتي دونك دون لا تروب كوريغرافي ديزاين تو 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 دونك ميرسي ده كده كان علشان اعلق على الدانس وبعدين لا مامون دو نور مادي مايا دونك جو فولي رومارسي دابور بور سو بو سبيكتاكل Et surtout pour vous féliciter à toutes de tous vos efforts, parce que en tant que parents, je pense qu'on est conscient de ce que ça a représenté pour vous pendant toutes ces semaines. Et vraiment, je voulais vous féliciter pour votre entraide, votre soutien et tout ce que vous avez fait personnellement pour que ce soit une grande réussite pour tout le groupe. Donc, continuez comme ça. Et ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir toutes ensemble sur cette scène. Avec Mona et de continuer toujours cette aventure qui est aussi à mon avis une très grande aventure humaine pour vous. Voilà, donc je vous félicite et surtout continuez comme ça, de nous faire du bien, de nous faire plaisir. Oui, Claire, c'est une aventure humaine. En fait, même si le but paraît une représentation théâtrale limitée par une date précise, mais essentiellement c'est une expérience humaine, une aventure humaine, parce que en fait, les filles viennent de 5 écoles, donc 5 calendriers différents, et 5 mentalités, et 5 horizons, et 5 représentations tout à fait différents. Et comment on se connaît, et comment on dilue les différences, et comment... en voyant un même objectif, on va de l'avant pour arriver à ça. En route, tout ce qui est humain se passe. Donc accepter l'autre, se découvrir, s'aimer, avoir confiance en soi, s'entraider, tout ça se passe parce qu'on a un objectif, mais vraiment langue, culture, recherche, parce qu'on a fait des recherches ensemble, donc le résultat du contenu de la pièce, c'est pas que moi, c'est vraiment les filles qui ont commencé à faire ça. Et s'il y a un remerciement, un deuxième remerciement, quatrième, cinquième, c'est aux filles pour qui le défi est vraiment grand. Si on a Hanine en troisième secondaire parmi nous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment... Si on a Nancy Bach, donc troisième secondaire, mais français, merci. Se prépare au bac, donc en première, c'est toujours un défi. Oui, on est fiers de Mahinour qui a eu C1 Sorbonne en route. Et voilà, donc pour tout le monde, c'était vraiment un grand défi. Et un remerciement. Qui aimerait dire autre chose? In Arabic, French, English, three languages. Qui aimerait dire quelque chose? Min hena d'aulia l'humour, chef, bento, b'tmastel, m'attaquache, n'hena t'va b'tmastel keda, m'attaquache, haiga, chef, haiga m'ختلفa, ma b'tikallemch fil bait, alak b'tikallem hena, b'tikallem fil bait, sektet hena, yani, aïe haiga min al-hagat al-jadida la hena m'n'arafhash. Madame, Mohamed Taksidi, l'agent grec qui kan ma'ana ala l'markib. أنا طبعا حابة أشكر حضرتك مدام منى غيرتي كتير في شخصيتها كتير بس يا رب يعني ما تغيرش أوي خلينا نمسك في الآخر شوية لا مجهود كبير ونسينا التعب والصحيان بدري وأيوه أي سنة وتعدي كل يوم أقول لها كده بس لا مش سنة وتعدي مدام منى إن شاء الله مع حضرتك لغاية الآخر بإذن الله ميرسي أسيب الكلمة للبنات حد يحب يقول حاجة قبل ما نسمعهم تمام طيب ألور أبو كي أمريت وهي عالية محمد Je voulais parler hier, mais il n'y avait pas du temps. Mais je regarde, je regarde. Non, quelle est ton
J'ai voulu dire que je vous aime beaucoup et je suis très très fière de nous. Et merci madame pour votre effort et عايزه اقول ان انا مبسوطه من التروب كلها النهارده لان بجد العرض كان حلو قوي قوي وكان احسن من كل الحاجات اللي عملناها قبل كده. بجد العرض كان مختلف وكل واحد اخذ باله من كل حاجه اتقالت. فبجد ميرسي قوي وكلنا تعبنا وكلنا مرينا بمرحله صعبه بس بجد مبسوطه ان احنا عديناها وعرضنا وقفنا هنا. هي مش هقول لكم اللي انا هقوله بس مش هقول حاجه وحشه التروب دي يعني اتأجلت شهرين زي ما مدام منى قالت علشان الفستيفال الميريك ودي كانت حاجه وحشه قوي لان احنا الجداد والقدام ما لحقوش يتعرفوا على بعض كويس وكنا برضو في البروم ما عرفناش نبيت بسبب الكوفيد فيعني ما كناش قادرين نتعرف على بعض كويس بس التروب الجديده انتوا بجد حلوين قوي وانتوا اتدربتوا لوحدكم واخدتوا ريسبونسابيلتي ما كانش المفروض تاخدوها وعملتوا حاجات كتيره قوي يعني هما بياخدوا ريسبونسابيلتي بس اخدوا ريسبونسابيلتي زياده وانا بجد فخوره بيكم وانتوا بتوحشوني كل مره واحلى حاجه استني حنين بجد يعني انا ما كنتش عارفه ان التياتر هيغير فيا قوي كده وكنت سنسيتيف شويه جدا وتعباهم وابوت قالت لي بس انا النهارده اخدت ريسبونسابيلتي وحسيت بتعبكم وفخوره تاني بكل اللي انتوا عملتوه. انا حابه اقول حاجه شخصيه مني الاول لمدام سوزي. بجد يا مدام ميرسي ان حضرتك جبتي كارول عشان انا بحبها جدا وبجد هي السنه دي فعلا اقل من السنه اللي فاتت. حضرتك عارفه انا اول ما شفتها قلت لك ايه؟ بس ما شافتني هزقتني. تمام مش قصدي والله. انا بقى عايزه اقول حاجه بالنيابه عننا احنا الثلاثه. احنا بجد عايزين نقول حضرتك ميرسي ان حضرتك الوقت اللي فعلا كنا بنبقى محتاجين نعمل فيه فيلاج او اي حاجه كنا احنا بنقول لحضرتك لا اصل الدانس اصل مش عارفه ايه وحضرتك كنت بتشوفي الدانس ساعات فيها مشاكل وبتعديها عشان يعني الحمد لله. بس كده هو ده اللي انا عايزه اقوله بجد يا مدام ميرسي. وعايزه اقول بقى حاجه مني ان انا بجد بحب التروب كلها وفي ناس السنه دي قدام وجداد واخدين ريسبونسابيلتي بجد تحفه شايلين حاجات كتير جدا ومهتمين بكل حاجه وبجد انا عايزه اقول لهم ميرسي واقول للناس اللي موجودين كمان ميرسي ان انتوا جيتوا. ميرسي. انا كنت عايزه اقول ميرسي مدام لانها يعني ادتني ريسبونسابيلتي دور انا ما كنتش متوقعه ان انا ممكن امسكها الصراحه. وفي نفس الوقت انا يعني احب اني اشكر التروب بطريقه بشعه لان انا جالي تشجيع جامد جدا منهم بصراحه وحسيت بجو فريندلي جدا وسطكم يا جماعه بحبكم قوي. انا كنت عايزه اشكر مدام منى وسيو ماجد بجد عملتوا معانا ايفورت كتير جدا جدا وزي ما قالت هناك انا اتغيرت تماما من ساعه ما دخلت معاكم في التروب. انا شخصيتي مش بتعود على حد بسرعه. انتوا بجد بقيتوا الفاميلي بتاعتي من بالظبط ثالث مره. انا حبيتكم جدا 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 كلكم ويعني زي ما انتوا شايفين بزلنا على ماما عشان ايه. اول حاجه انا مبسوطه قوي ان العرض النهارده طلع حلو وطبعا بحبكم كلكم. عايزه اقول حاجه انا بجد اتغيرت شخصيتي قوي 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 ولما دخلت التياتر. انا كنت قبل كده حاجه ثانيه خالص يعني.
وكمان اتعودت عليهم يعني السنه دي ممكن تكون اكتر سنه لان السنه اللي فاتت كنت داخله يعني بس يعني بحبكم كلكم ميرسي يا مدام اللي بتعملي ده يعني كل حاجه ميرسي امينه هاي انا امينه كنت اكستروفرت بس ما عرفتش اتعامل معاهم يعني للاسف عشان ثانويه عامه وكده بس انا بجد يعني عايزه اقول ان قد ايه الظروف كانت متغيره جدا عن السنين اللي فاتت وقد ايه الظروف بقت صعبه اكتر وكل حاجه كانت بجد متغيره فده كان انا شايفه ان هو بجد كان تحدي كبير قوي ان المسرحيه توصل لكده وان اصلا السنه دي تكمل بكل الناس عدد الناس الجديده اللي دخلت كان 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 عكس كل السنين اللي فاتت بس بجد انا بجد مبسوطه قوي من الناس اللي اخذت الريسبونسابيلتي من غير ما حد يوجههم من غير ما حد يقول لهم لا انتوا لازم تشيلوا ده وهم عارفوا ازاي يتصرفوا وعارفوا ازاي يكونترول كل حاجه وقدروا يطلعوا انا بجد دي تاني مش تاني مره بس قصدي تاني مره الزياده اتعرف وبجد كل مره بنبهر وكل حاجه وقد ايه الناس عارفه ادوارها مظبوط وبتتحركوا ازاي بجد كل حاجه باينه يعني فعلا كان في صعوبات كتير بس بجد فعلا اللي بيتعب بيلاقي نتيجه تعبه صح زي ما ده لا دلوقتي بجد برافو ميرسي امينه كل اللي قلته انا فخوره بيكم ميرسي ميرسي لا في نور الشاشه فاضل العرض الثالث في مكتبة اسكندرية يوم السبت 3 أبريل الساعة 7 التذاكر في الجيشيه ما احنا ما عندناش أي أهداف ربحية التذاكر دي بتاعت المكتبة واحتمال السبت اللي وراه يبقى في مركز الإبداع فده اللي لسه هيبان Donc pour ceux qui sont pas arabophones c'est la deuxième représentation hier c'était la première avec les autres troupes qui voulaient filmer pour poster leur pièce de théâtre sur la page officielle du festival égyptien scolaire de théâtre festif. Et aujourd'hui, propre à Hector Verso à l'Institut français, la semaine prochaine, samedi 3 à 19h, c'est à la bibliothèque. Vous êtes chaleureusement invités. Et le billet c'est pas cher, c'est 20 livres et ça nous concerne pas, c'est la bibliothèque parce que on est une troupe à but non lucratif. Au contraire, oui, on a le yacht. et peut-être la semaine d'après, samedi 10, au centre de la créativité, à la rue Fouad, juste en face de la rue Salah Selem. Voilà, donc de ma part, je vous remercie d'être là. Je crois que vous êtes nos guetos ou entre خليتونا نشوف لنفسنا عرض احسن من امبارح وكده احنا on est musclé pour la représentation du samedi 3 avril. في اي حد عايز يقول لنا اي حاجه قبل ما يمشي؟ ايوه. وانا النهارده كنت جايه يعني المفروض جنات صاحبه برولا معاها في التمرين يعني ما اعرفش اي حاجه وقالتلي لا مصممه اروح اشوفها في التياتر وقلت لها اوكي هوديكي وهمشي فبس دخلت خمس دقايق انا اتشددت وقعدت معاها يعني بجد مش معروف حتى السكول كنت جايه ليز بس حقيقي مجهود رائع بجد الجروب كله ما شاء الله عليك ممتازين جدا والتوفيق ميرسي اي 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 حد عايز يقول لنا حاجه ممكن تسقفوا الجمهور ميرسي ونشوفكم العرض اللي جاي او السنه اللي جايه ميرسي